Recommencer, c'est reconstruire pierre par pierre. C'est chercher la force et travailler le détachement. C'est s'abandonner follement à l'inconnu. C'est attendre des opportunités, des amitiés qui comblent le vide que la distance a laissé et des moments de bonheur extrême. C'est nous plonger dans les bons souvenirs que nous avons laissés de nos proches. Photos, mouvements, odeurs. C'est comme un album de photos neuronales que l'on conserve avec les souvenirs les plus variés de personnes qui n'existent plus physiquement. C'est vivre avec la douleur de ne pas participer activement à la vie de ses proches. C'est se sentir 1% et sans but face au chagrin. C'est la solitude qui vous attaque même si vous avez quelqu'un de spécial à vos côtés. C'est valoriser de petits détails qui n'ont auparavant aucune signification, tels que le bruit de la mer, le soleil qui brille tous les jours et la tendre étreinte d'amis. C'est gérer les différences culturelles et équilibrer les émotions. C'est apporter à la routine tout ce qui a du sens. C'est se réinventer et accepter les défis constants. C'est partager les réussites et les frustrations de loin. C'est gérer des réflexions importantes pour une haute connaissance et une croissance personnelle. C'est être reconnaissant d'avoir l'opportunité de vivre quelque chose que beaucoup ne pourraient jamais vivre. C'est réapprendre à vivre. Avoir de la force, de la patience et beaucoup de foi pour affronter les défis. C'est comme sortir de décombres d'une guerre perdue. Et elle dit donc préférable de reconnaissant du temps qu'il faudra pour que les choses reviennent à leur place. C'est reconnaître que les rêves sont aussi des choix et qu'ils sont toujours accompagnés de renonciation. Il faut se rappeler que la vie est un choix constant qui nous façonne, que si tout va mal dans vos projets, vous saurez que le courage et la force ne manqueront jamais. Et surtout, si vous redécouvrez et réalisez que vous ne connaissez pas vraiment quelque chose que vous avez toujours pensé connaître très bien toi-même. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez déjà pris le temps de penser à ce qu'on fait sur Terre. Peut-être que oui, peut-être que non. Cette année, j'ai beaucoup pensé à mon passage ici-bas, car nous voyons défiler les jours, les mois, les années, sans réellement prendre le temps de nous poser et de réfléchir à notre rôle sur Terre. En fait, nous passons notre temps à passer d'un état à un autre sans y penser. Un jour on naît, un autre on grandit, à un moment on donne la vie, une année on mûrit, et celles qui suivent, on vieillit. Et la décennie d'après, on quitte la vie. Le matin on pleure, la nuit on souffre, l'après-midi on s'ennuie.
En hiver, on divorce. Au printemps, on se rencontre. En été, on s'aime. Et en automne, on se marie. On reste quelque part. On part vers ailleurs. On fuit l'horreur sans arriver vers le meilleur. On bouge à gauche, à droite. On saute, on tombe, on se ramasse. On nous pense. Où que l'on passe ou se déplace, qui qu'on agace ou qu'on dépasse, quoi qu'on amasse ou on ressasse, bref, quoi qu'on fasse, tous on trépasse. Le Barça, c'est l'équipe que j'aime. Ils jouent bien. Chaque année, ils achètent des nouveaux joueurs. J'aime bien Lionel Messi. C'est le meilleur joueur au monde. J'aime bien aussi le logo du Barça. Ils ne se découragent jamais quand ils perdent. J'aime bien aussi les maillots. Si je pouvais réaliser un rêve, je rencontrerais des joueurs. Mon baptême de plongée. Passage de la terre et de l'air à l'eau. J'ai mis la tenue, la combinaison, les palmes et le masque. Le moniteur explique les consignes. Index sur le pouce, tout est OK. Pouce vers le haut, on remonte. Pouce vers le bas, on descend. Se frotter l'avant-bras, j'ai froid. Main croisée, on remonte. Lorsque je rentre dans l'eau, je passe du chaud au froid. Je n'ai pas eu peur, je me suis bien sentie. Il y avait un banc de petits poissons. J'aimerais en refaire avec des amis. Histoire d'être ensemble. J'ai vraiment adoré. La plongée ne se pratique pas toute seule. Il y a toujours un risque au fond de l'eau. Moi, mes petits bonheurs, c'est le soleil, le beau soleil. C'est les montagnes qui bougent, le vent qui raconte, le désert qui est grand, les sables qui marchent. C'est la famille qui donne l'amour. Écoutez les oiseaux. Ils chantent sur l'arbre. Le bonheur, c'est trouver des choses aimées. C'est courir dans la forêt. C'est écrire un livre rouge. Tous les matins, vers 7h15, je me lève. Puis, je regarde par la fenêtre le temps qu'il fera pour savoir si je serai joyeuse ou triste. Arrive le moment, j'allume ma radio pour éveiller mon esprit. Je prends ensuite ma douche, en fredonnant les chansons de l'Ensegara. Et là, mon moment préféré, celui où je choisis ma tenue pour mettre plein d'étoiles dans les yeux de mon amoureux et l'entendre me dire « Tu es la plus belle, ma princesse ». Puis, je rougis. De ces paroles, j'ai hâte d'être demain. Strasbourg, où je vis depuis 8 ans, est une ville aux multiples ponts. J'habite dans le quartier d'Unedorf, qui est situé près de la frontière allemande et qui longe le Rhin. Mais grâce aux 4 ponts, en enjambant le Rhin, nous pouvons rendre nos visites à nos voisins allemands, en train, en tram, en voiture, à pied. Ah, les relations entre voisins n'ont pas toujours été bonnes. Hein. Et tous les ponts ont été construits après la Seconde Guerre mondiale. Ouais, le pont routier s'appelle le pont de l'Europe. Et ce nom est le symbole de la réconciliation franco-allemande.
Il n'est pas joli comme le pont Mirabeau et solide comme le pont Neuf à Paris. Mais il y a un passage pour les cyclistes et un autre pour les piétons. À cause de la pollution de l'air, c'est pas le meilleur endroit pour faire une petite promenade. Hein, mais malgré tout, je viens ici après une longue saison de pluie pour observer le niveau de l'eau qui déborde en provoquant une petite inondation. J'adore me promener à mon appareil photo, à la recherche de sujets intéressants à photographier sur les deux rives du Rhin. Parfois, ce sont des plantes, des oiseaux ou des cadenas accrochés à la balustrade de la passerelle Nimram. Ou passerelle des deux rives. Cette passerelle, c'est mon passage préféré. Et je viens souvent ici en pensant à quel point je suis heureuse de vivre en période de paix, sans guerre et sans destruction de ponts. Gamin, j'attendais le passage du boulanger qui venait de Strasbourg. C'était le samedi vers 10h du matin. Il venait livrer des bretzel. Alors quand j'entendais le train siffler qui arrivait en gare de Mutzig, je savais qu'il serait bientôt là. Il descendait du train, portait un tablier et un sac à dos. À sa démarche, on voyait qu'il était fatigué après sa nuit de travail. J'étais le seul à l'attendre et je lui achetais 10 bretzel pour 1 franc. Enfin, je pouvais mordre dans un bretzel plein de gros sel et c'était toujours un régal. Toutes les semaines, je revenais à la gare et j'attendais avec impatience le passage du livreur de bretzel. Ah, le pont Alexandre Nevski. Le pont Alexandre Nevski se trouve à Saint-Pétersbourg, comme plus de 300 autres ponts. Grâce à ce pont, on peut traverser la Neva, mais pas tout le temps. Pendant la période de navigation, il est levé. Ça veut dire qu'il laisse passer les bateaux à partir d'avril à novembre. Pendant cette période, le pont Alexandre Nevski attire beaucoup de touristes qui viennent admirer son ouverture pendant la nuit. Il est levé entre 2h20 et 5h10. Attention, le pont en béton qui porte le nom d'un célèbre prince et commandant militaire russe a été construit en 1965. Il mesure 905 mètres de long et est donc très long. Quand même, le pont le plus long de la Venise du Nord s'ouvre en 2 minutes. Cette particularité peut se transformer en problème. Si on passe une super soirée dans une boîte de nuit, il peut arriver qu'on oublie un peu l'heure. Même si on a décidé de quitter le club au bon moment pour arriver avant 2h20 au pont Alexandre Nevski pour le franchir. Alors, la soirée parfaite peut se transformer en cauchemar. Parce que le club de nuit en question ferme à 3h. Et voilà, on doit rester dehors pendant 3h en pleine nuit. Comme le montre mon exemple. Mince, pourquoi n'ai-je pas écouté ma copine? Pourquoi ai-je préféré boire cette vodka dégoûtante avec ce bizarre Micha? Bon, bref, dans le club, Micha semblait drôle. Intelligent, amusant, attirant, beau et généreux. Mais malheureusement, ma perception de Micha a changé d'un coup. À la hâte, nous avons quitté le club et nous avons couru sur le chemin infiniment long pour être à l'heure au pont Alexandre Nevski, mais en vain. Les ailes que la vodka nous avait données ont disparu, et le pont aussi. Il a eu la gentillesse de laisser passer les bateaux, mais ni Micha ni moi. Micha ne me semble plus aussi attirant, mais fatigué, épuisé et même laid. La lueur du pont allumé révèle que Micha est assez dégarni, qu'il lui manque des dents et qu'il a un grand pif. Comment n'avais-je pas remarqué ça sous la boule à facettes? Par ailleurs, je découvre qu'il n'est pas très sportif. S'il avait couru plus vite, le pont se serait levé. Je le déteste. Et je déteste aussi les touristes sur l'autre rive qui admirent la vue romantique. Je me jure de ne plus jamais boire de vodka et de ne fréquenter que les clubs du centre-ville. La soirée avait été déprimante. Déprimante. Une anxiété suffocante me bloquait
La gorge. La gorge. Le chagrin de mes pertes successives. La douleur. Les espaces vides. La peur du jour, des jours à venir. Et le froid glacial du vent de février faisait frissonner mon corps. Mon corps. Tous mes efforts pour oublier et me sentir mieux avaient échoué. Et je suis restée seule et triste. Donc j'ai soufflé toutes mes peines sur la flamme de la bougie. Elle s'est éteinte doucement et j'ai fermé les yeux. Le lendemain matin, j'ai senti une douce brise fraîche sur ma peau. J'ai ouvert les yeux. Le ciel avait dessiné un parapluie avec des paillettes d'espoir. Paillettes quoi? Sur la ville fatiguée et aujourd'hui devenue un autre jour. Un autre jour. J'ai retrouvé ma capacité mentale à combattre l'adversité de la vie. De la vie. Je suis passé d'un hier morose à un monde actuel, plus coloré. Plus coloré. Avec une belle et généreuse facilité. Facilité. Hier, le vent du désert de là-bas a soufflé jusqu'ici. Quand il y a une tempête là-bas. Ici, il y a une drôle de lumière jaune. Là-bas, il n'y a pas d'autoroute. Et la route soulève avec le tempête de sable. Il n'y a beaucoup d'accidents. Là-bas, le vent soulève le sable. Et il fait des dégâts. Il emporte le toit des maisons. Et il déracine des vieux arbres. Parfois, l'électricité est coupée. Et le vent se mélange au sable. Et à l'écume salée de la mer. Tout le monde a peur. Et reste à l'intérieur des maisons.
Tout le monde a peur et il reste à l'intérieur des maisons. On ferme les fenêtres et les portes. On ferme les fenêtres et les portes. Avec le chiffon mouillé. Avec le chiffon mouillé. Pour empêcher le sable d'entrer. Pour empêcher le sable d'entrer. Quand la tempête est finie. Quand la tempête est finie. On lave tout au jet d'eau. On lave tout au jet d'eau. Ici. Ici. Le souffle de la tempête là-bas. Le souffle de la tempête de là-bas. A recouvert le toit des voitures. A retrouvé le toit des voitures. D'un peu de sable jaune. Un peu de sable jaune. À 8 ans, je suis en plastique. Souvent chaud. Et prêt à nourrir le bébé. J'ai un grand rôle dans la vie du bébé. J'aide Nermina à nourrir son petit frère. Je suis un biberon. Quand tu es petit, se séparer de ses parents que tu aimes est extrêmement difficile. C'est un passage qui te marquera à jamais toute ta vie. Plus tard, tu croises à l'amour, dur comme fer. Mais ne dit-on pas que l'amour rend aveugle ? Lorsque tes yeux s'ouvrent, encore un passage douloureux à affronter, une suite à la première séparation ? Ces épreuves difficiles t'empêchent d'avancer et te rongent comme un poison. Comment peux-tu être en paix avec toi-même et les autres ? Pourtant, c'est ce passage que j'espère pour mettre fin à mes souffrances et à ce cercle infernal. L'anniversaire qui m'a le plus touchée, c'était le premier après mon arrivée en France. Je venais d'être adoptée, c'était en 1993. Je me souviens qu'il neigeait et mes parents s'inquiétaient parce qu'ils avaient peur que je tombe malade. Au contraire, je m'allongeais sur la neige qui formait une couverture douce. C'était la première fois que je découvrais la neige. Les voisins, les connaissances de mes parents m'ont donné beaucoup de cadeaux pour me souhaiter la bienvenue. Ils pensaient que les cadeaux, c'était important pour moi, mais lorsque j'étais au Vietnam, je ne recevais pas de cadeaux. Les gens étaient gentils et avaient de bonnes intentions, que je ne comprenais pas. Ma famille biologique était ma première expérience dans la vie et les personnes ne savaient pas que j'avais une autre famille avant mon adoption. Dans ma famille vietnamienne, j'avais un frère, une mère et un père. J'étais contente des présents, mais je ne savais pas si ça venait du cœur ou c'était parce que j'étais une enfant. J'étais gâtée, mais pour accepter cette nouvelle vie, ce fut plus dur. À 17 ans, je suis en métal et je mets la vie en danger. Les gens ne n'aiment pas et ils sont raisons. Ce serait idéal si vous pouviez me voir que dans un musée. Nermina était très heureuse. Quand le rêve, c'est fini. Je suis une âme. Quand vous arrivez seul dans une ville, le cimetière est le seul endroit où vous pouvez aller. C'est le seul endroit où personne ne vous demande quoi que ce soit, hormis votre existence. Vous pouvez vous promener dans les allées, regarder les fleurs et les dalles de marbre dressées et décorées du nom de leur propriété, la date de leur naissance, et celle à laquelle ils ont quitté cette vie. Vous n'avez rien d'autre à faire que de profiter du grand silence et d'imaginer les souvenirs des morts qui ne peuvent plus les raconter. Cependant, ces souvenirs pénètrent vos sangs comme une force magnétique puissante. Vous pouvez appeler les noms des défunts. En vous remémorant les mots que vous avez appris de la langue française,
rappelant avec désespoir votre incapacité de prononcer certains sons. Vous pouvez également compter le nombre de leurs années vécues. Ici, le monde vous appartient, et la gloire de ceux qui ont vécu sur cette terre murmure à votre oreille. Mais vous, qui avez abandonné votre pays et le cimetière où vous auriez dû mourir, si vos membres sont ramassés après le bombardement, vous découvrez soudainement que vous vous sentez virtuellement mort, rendant visite à de vrais défunts enveloppés dans le silence. Les fleurs et le soleil brillant ce matin du jour de la fête des morts. Ce soleil, qui sera anéanti par l'hiver, arrivant avec ses longues ténèbres et son froid que vos os n'ont jamais connu, vos os venant du pays où le soleil ne se couche jamais. La vie continue autour du cimetière, sans tenir compte de la mort. Les habitations environnantes condamnent les fenêtres côté cimetière pour alléger les dures questions de l'existence, pour permettre aux enfants de jouer et aux invités de se rassembler en dehors du cimetière qui vous relie silencieusement aux morts. Vous êtes seul dans le cimetière. Vous vous souvenez des trous noirs qu'a décrit Stephen Hawking. Lorsque vous considérez vos nouveaux amis parmi les morts, vous remarquez que la gloire, l'histoire et des œuvres connues ou inconnues ornent les tombeaux en marbre. Ces morts sont les bâtisseurs de ce pays. Ce sont les énergies qui sont venues à cet endroit, à la densité des trous noirs. Malgré la foule des gens dans la boutique en face du cimetière, en passant, jette régulièrement un regard sur l'armée des morts parfaitement alignée, ainsi que sur ses visiteurs silencieux. Il ne se souciera pas de vous, ni de votre présence étrange devant la tombe de sa famille ou de ses grands-parents. Il s'agira peut-être de sa tombe dans son futur proche. Vous sortez, armé d'un silence profond aux couleurs de la fête des morts. Les rues qui vous sont encore étrangères dans cette ville nouvelle vous saisissent, tentent de soulager l'amertume des fragments de guerre dans votre pays lointain et vous tentez à nouveau de recommencer. Le souffle du temps transcend tout en poussière, mes chimères et mes illusions. Le souffle du temps transforme tout en poussière. Quand je me fais la réflexion de mon immense triste condition, je vois toute la dérision. Le souffle du temps transforme tout en poussière. Avec l'aide du temps, transformant tout en poussière, que soit exaucée ma requête, lasse de toutes ces futiles conquêtes. Ubuesque à souhait, juste bête, j'aimerais que tout s'arrête. Passage du temps, tout devient poussière. Heureuse âme pouvant toucher l'ultime frontière, avant le néant du bout du doigt, caresser l'éternité. L'éternité. À 23 ans, je suis constituée d'une feuille de papier. Et tout le monde veut me voir entre les mains. Je suis témoin de l'amour des couples. J'ai marqué un moment important dans la vie de Naminar. Je suis un acte de mariage. Si j'étais un homme, j'écouterais les complaintes des femmes. Si j'étais un homme,
j'encouragerai ma femme à se dépasser. Si j'étais un homme, j'aiderais ma femme au ménage. Si j'étais un homme, je montrerais ma amour à toutes les femmes de ma vie. Si j'étais un homme, je demanderais au nom de tous les hommes, pardon à toutes les femmes. Je n'imaginais pas que ce moment viendrait pour toi. Je n'étais pas prêt à affronter cette immense douleur. Je n'imaginais pas que la vie pouvait se terminer en un clin d'œil et qu'il faudrait que je te voie partir. Je n'imaginais pas que ce jour-là, avec ton sourire, tu me disais au revoir pour la dernière fois. Je n'imaginais pas affronter le monde sans toi, mais tu m'as laissé une raison de vivre, une raison pour laquelle combattre, une lumière au milieu de la douleur. Chaque fois que je pense à toi, je te vois dans ses yeux et dans son doux sourire, et ça me remplit de joie parce que tu es présente en elle. Je sais que je ne peux pas revenir en arrière, mais je lève mon regard vers le ciel et je sais que tu es là avec Dieu parce que lui t'a choisi. Je te garde fort dans mon corps et tu es toujours vivant à l'intérieur de moi. Je ne peux que te dire aujourd'hui combien ça fait mal de ne te plus revoir. L'amour peut frapper à la porte à chaque instant. Profite de la vie et des gens que tu aimes. Ne garde pas de rancœur et montre-leur que tu tiens à eux, car demain, il sera peut-être trop tard. Ton départ est gravé dans mon corps. À 27 ans, je suis un petit livre, décliné en plusieurs couleurs. J'ai une photo de la personne à laquelle j'appartiens. Vous ne pouvez pas partir en voyage dans un autre pays sans moi. J'ai permis à Nahmina de venir en France. Je suis sans passeport. Recommencer, c'est reconstruire pierre après pierre, c'est chercher la force et travailler les détachements. C'est s'abandonner follement à l'inconnu. C'est attendre des opportunités, des amitiés qui comblent le vide que la distance a laissé et des moments de bonheur extrême. C'est nous plonger dans les bons souvenirs que nous avons laissés pour nos proches. Photos, mouvements, odeurs. C'est comme un album photo neuronal que l'on conserve avec les souvenirs les plus variés de personnes qui n'existent plus physiquement. C'est vivre avec la douleur de ne pas participer activement à la vie de ses proches. C'est se sentir impuissant et sans but face au chagrin. C'est la solitude qui nous attaque, même si vous avez quelqu'un de spécial à vos côtés. C'est valoriser les petits détails qui n'avaient auparavant aucune signification, tels que le bruit de la mer, le soleil qui brille tous les jours et la tendre étreinte d'un ami-cher. C'est gérer les différences culturelles et équilibrer les émotions. C'est apporter à la routine tout ce qui a du sens. C'est se réinventer et accepter des défis constants. C'est partager les réussites et les frustrations de loin. C'est gérer des réflexions importantes pour une haute connaissance et une croissance personnelle. C'est être reconnaissant d'avoir l'opportunité de vivre quelque chose que beaucoup ne pourraient jamais vivre. C'est réapprendre à vivre, avoir de la force, de la patience et beaucoup de foi pour affronter les défis.
C'est comme sortir des décombres d'une guerre perdue. Il est donc préférable d'être reconnaissant du temps qu'il faut pour que les choses reviennent à leur place. C'est reconnaître que les rêves sont aussi des choix et qu'ils sont toujours accompagnés de renonciations. Il faut se rappeler que la vie est un choix constant qui nous façonne et que si tout va mal dans vos projets, vous saurez que le courage et la force ne manqueront jamais. Surtout si vous redécouvrez et réalisez que vous ne connaissiez pas vraiment quelque chose que vous avez toujours pensé connaître très bien. Toi-même. Les jours, les semaines, les mois, les années passent. Reste l'expérience vécue, laissez venir. La jeunesse passe, reste l'éternité et les bons moments partagés. Les nuages, les orages, les peines et l'histoire d'amour passent. Reste l'histoire que l'on écrit, la maturité et la sagesse. Les cycles de notre existence passent. Reste les traces qu'on l'on s'y force de laisser. Les saisons et l'équilibre écologique passent. Reste le doute sur l'avenir de la planète. Et finalement, passe la vie et puis reste l'éternité. À 40 ans, je suis en métal et j'existe en différentes tâles et formes. Je suis utilisée pour la sacralité. Je fonctionne en me mettant au bon endroit et en me tournant. Grâce à moi, Nermina peut entrer chez elle. Je suis une clé. Il y a des carrefours importants ou des points critiques dans la vie de chaque personne. Pour certains, se marier, avoir des enfants. Pour d'autres, démarrer une nouvelle entreprise, posséder un animal, perdre un bien précieux, perdre un aîné, voire un parent. Le mien n'en fait pas partie. L'émigration dans un autre pays pour le travail a changé ma vie pour moi. Oui, les choses mentionnées ont aussi changé ma vie, mais le point de départ de ces changements a été pour moi de partir à l'étranger. Oui, voyager dans un nouveau pays vous donne l'occasion de regarder en arrière et de réexaminer tout ce que vous avez vécu auparavant, de réfléchir et de vous autocritiquer. C'est comme une personne qui entreprend un voyage intérieur. Votre structure de pensée, vos jugements de valeur, vos croyances sont complètement remodelées. En apprenant à connaître une autre culture, vous repensez et remodelez vos traditions et habitudes et vous le comparez. Cela améliore votre empathie. C'est comme changer ou renouveler le sang de votre corps. Où une personne qui voit le noir et blanc voit à nouveau les couleurs. Être exposé à une autre culture et vivre dans un nouveau pays est définitivement un sentiment enrichissant. C'est vrai que vivre dans une culture que vous connaissez de loin, que vous connaissez des nouvelles et des livres et que vous apprenez plus ou moins et essayez de vous adapter à cette culture, c'est un processus qui améliore les gens. Tout d'abord, vous apprenez une langue et cette langue est une clé magique qui vous ouvre les portes de cette culture. Tout comme chaque serrure a une clé appropriée, la langue est également la clé de la culture. Je pense qu'il n'est pas possible pour une personne qui ne parle pas une langue
de vivre dans un pays étranger et d'être heureuse. Comme les êtres humains sont libres, ils deviennent plus heureux et profitent de leur vie. Je pense que la langue est une clé en or qui nous donne cette indépendance. Avant de m'installer en France, j'ai vu plus de 15 pays et j'ai eu la chance de voyager. Mais vous savez qu'il y a une énorme différence entre être un touriste et rester y vivre. Et tant que vous êtes dans des hôtels, vous pouvez difficilement connaître une société pendant les vacances où vous allez. Bien que nous essayions de manger dans les ruelles et dans des endroits non touristiques, il existe d'énormes différences d'expérience entre les vacances de 1 à 2 semaines et les longs séjours et les séjours permanents. Au cours de 6 premiers mois de mon arrivée, je dormais très tôt le soir. Pourquoi pensez-vous? Laissez-moi vous le dire, le mal de tête. En tant qu'une personne qui n'a jamais eu mal à la tête de ma vie, je vous le dis, essayer de parler et de penser dans une autre langue était aussi fatigant la journée que le soir. Il y a un idiome dans ma langue maternelle, dormir comme un poule le soir. Je me couchais comme les poules. Au fil du temps et des mois, mon oreille, mon cerveau et ma pensée se sont habitué à ce langage, cela a diminué et maintenant je ne ressens plus aucune différence après 6 ans. Je conseille vraiment à tous ceux qui nous écoutent de vivre dans un autre pays pendant au moins 1 mois, à un moment de leur vie, d'observer leur propre vie et toutes leurs pensées et à partir de là, et de vivre ce voyage en pensée. Je vous salue avec amour et respect et en disant qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre et changer. L'histoire commence en Roumanie, dans un petit camp de tzigane. Le chef leur propose un nouveau parcours dans leur vie de tzigane. Il s'agit de traverser la planète pour aller à la rencontre du Malgache. Diego, le plus jeune homme de la tribu, n'est pas convaincu. Et il est effrayé de devoir traverser le monde. Son aîné le rassure en lui disant: mon frère, nous les tzigans, nous sommes des oiseaux de passage. Demain, nous serons loin. On est fait pour parcourir le monde. Le lendemain, la tribu se prépara pour son voyage. Une fois prête, elle prit la route. Elle commença par traverser toute la Roumanie, en brevetant de magnifiques paysages. Puis, elle traversa pays après pays jusqu'à arriver à Madagascar. Très loin. Plusieurs semaines passent. Les tziganes s'en baptisent avec une tribu de Malgaches qui les accueille comme leur propre tribu. Le chef Malgache dit au chef tzigan: vous les tziganes, vous êtes un peu comme l'argent.
Le chef Diga lui demanda pourquoi. Chez nous, les Malgaches, on a un proverbe qui dit l'argent est un os de passage. Aujourd'hui, elle arrive, demain, elle n'est plus là. Tout comme toi, ami Diga. En Italie, dans la ville de Rome, à 14h précis, un jeune garçon petit qui a l'air de venir d'un autre pays rencontre un garçon qui se promène à vélo. Il porte une casquette, des baskets et des lunettes de soleil. Il est joyeux, il s'arrête près de Jean. Pourquoi es-tu nerveux? J'ai le cœur en avalanche. J'ai perdu mon oiseau. La cage s'est ouverte. Et il s'est fait écraser par une voiture. Non, t'inquiète pas. Il est toujours dans ton cœur. Ils deviennent de très bons amis. L'homme à vélo invite l'autrice à boire un coup chez lui. Il lui raconte des blagues pour faire rigoler. L'autrice est devenue joyeuse car il s'est trouvé un ami qui lui raconte des blagues. Oh là là. Dans mon pays, il y a une girafe qui boit dans les ruisseaux et laisse des traces de pas dans la poussière du volcan éteint, sans feu. Tranquille, je me promène souvent près du château de mon grand-père. Dans mon pays, il y a un dauphin qui nage dans la mer. La girafe, la même, est amie avec les abeilles qui font du miel. Dans mon pays, je vous l'ai dit, il y a un château. Et dans ce château, un dragon protégé par une princesse. Soyez-en sûre, pour le sauver, elle saura terrasser la panthère rose et le grand-père trop sévère. Dans mon pays, je vous le rappelle, il y a des dauphins qui sautent dans l'eau et un hippopotame qui s'y baigne. Et puis, vous le savez déjà, une ruche comme une étoile tombée du ciel en haut d'un baobab. Son miel soigne mon père malade qui a peur de mourir. Dans mon pays, il y a un lac bleu et des traces de pas dans la neige. Elles vont jusqu'au mur du château. Ce sont celles de la princesse sauveuse de dragons. De joie, au lieu de feu, il crache des salades. Ça fait rire les enfants et les grands. Un rêve. Passage en Afrique, oui. Devant la mer. Ah, qu'il fait chaud. Je me sens comme un dindon, un café. Soif. Une dame tranquille boit. Soif encore. Encore une boisson froide avec des bulles et du sucre. Gauche toute. Une autre dame traverse le sable en veste bleue et capuche, lui cachant le visage. D'un tour de moulin qui saute, elle discute. Aimes-tu le parfum de lilas? Oui. Demande la soif. Nickel. C'est plus de liberté. Et mieux que mon bol qui fait I. Un. Suis-moi. Cheminons ensemble avec mon âne à couvercle. La maladie et le froid ne te feront plus peur.
à plusieurs, tu n'es plus enfermé. Dans ta bulle. Rester chacun de son côté? Non. Se rencontrer? Oui. Utilisons l'amour pour trouver quelqu'un et naviguer sur une vague de mariage. Dans une contrée lointaine, où la connaissance et les savoirs n'étaient plus enseignés, déambulait en pleine forêt une jeune fille, insouciante, remplie de fougue. La petite Chippie avait fugué de bon matin de sa maison impériale. Elle s'ennuyait, se sentait seule, n'avait jamais rencontré d'êtres humains de son âge. Elle décide alors de partir, sac à dos rempli de vivres, sur les épaules, à la recherche de ses semblables. Après quelques heures de marche, elle vit un vieil homme adossé à un arbre. Elle s'approcha de lui d'un pas furtif. Et toi, alors, tu as vu des êtres humains de ma taille? Des êtres humains de votre taille, mademoiselle. Mais vous avez quel âge, jeune fille? Tais-toi, alors, tu en as vu? Si tu me donnes un peu d'eau, je te répondrai. Elle exécuta. Le vieil homme lui dit que oui. Qu'il en avait vu des dizaines, là où il habitait, avant qu'il ne s'efface bannir par deux machines. L'effrontier, très intrigué, lui demanda pourquoi il avait été banni. Merci, Rondon. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'audace d'enseigner aux enfants de mon village. Or, il nous a été défendu, pour nous, professeurs, à vous adresser la parole. Les androïdes nous l'ont formellement interdit. Nous sommes devenus les pariables de l'humanité. Un professeur? C'est quoi ça, un professeur? Un professeur, jeune demoiselle, c'est une personne comme moi qui t'éclaire, qui t'instruit, qui te guide, qui t'éduque, qui te facilite l'apprentissage, qui te transmet des valeurs, des connaissances relatives à toutes les matières, à toutes les disciplines à travers le monde, que ce soit les mathématiques, les sciences, les musiques, les lettres ou les arts, les... Mais tu es bête, toi, et j'ai 13 ans d'abord. Si je veux apprendre les mathématiques, je n'ai qu'à installer cette cartouche de maths que j'ai à la maison, dans ma tête, et le tour est joué. Pourquoi devrais-je perdre mon temps avec? L'instituteur l'interrompt immédiatement. Malheureuse. Mais c'est toute la beauté et toute la richesse que regorge l'humanité. C'est la preuve que nous sommes vivants, que nous ne sommes pas dictés par ces boîtes de conserve. Et ça ne s'arrête pas là. Nous, les professeurs, c'est l'attention qu'on porte à tes besoins. À tes lacunes, on valorise tes compétences. Dès le plus jeune âge, nous t'apprenons la politesse à parler, à t'écrire, à réfléchir, à analyser, à rire, à sourire, à aimer, à avoir de l'empathie. Chose que ton programme de malheur ne peut pas faire. Nous, les professeurs, on t'apprend également que tu as le droit à ta liberté, à ta religion, libre de croire ou ne pas croire, libre d'exprimer tes opinions, d'écrire librement tes pensées, mais tu dois le faire dans le respect des autres, sans les injurier, ni les discriminer ou utiliser la violence. T'as bien compris, jeune fille? Je crois que j'ai compris. Tu es comme ce logiciel que j'ai dans mon cerveau, n'est-ce pas? Ah, pauvre petite, cette technologie de malheur a pris le dessus de ton cerveau. Tu n'as plus aucun libre arbitre. Tu dois t'en débarrasser. Je ne peux pas. Ça fait partie de moi. Je connais quelqu'un. Nous irons ensemble demain matin. Les gens disent vouloir changer les choses, mais ils n'en font rien. Toi, jeune fille, tu as pris des risques. Et demain, tu vas changer le monde. Dorénavant, tu m'appelleras professeur. Et tu emploieras le terme « vous ». Bien compris, jeune fille? Elle fit oui de la tête, mais à condition qu'elle rencontre des enfants de son âge, dit-elle. Ils se serrèrent la main pour conclure le marché. Ils continuèrent à parler jusqu'à la nuit tombée.
Elle lui raconta comment son androïde de père avait gâché son enfance et lui raconta comment était la vie avant que ces derniers ne prennent le pouvoir. Elle était fascinée par l'extrait que son nouveau professeur lui fut de Christophe Colomb quand il était rentré en contact avec les Amérindiens. Ils ont volontairement échangé avec nous tout ce qu'ils possédaient. Ils ne portaient pas d'armes et ne les connaissaient pas, car je leur montrais une épée. Ils la saisirent en toute innocence par la lame et se coupèrent. Ils feront de bons esclaves. Je pourrais les conquérir tous avec 50 hommes et les gouverner à ma guise. C'était la première leçon qu'elle recevait. Elle avait compris qu'il ne fallait pas faire quelque chose à quelqu'un, même contre sa volonté, et que la tyrannie n'avait pas sa place dans notre monde. Avant de s'endormir, elle lui chuchota à l'oreille « Je vous aime bien, professeur ». Il sourit et s'endormirent côte à côte. À l'aube, elle fut la première debout. Professeur, réveillez-vous, je suis prête, nous pourrons nous mettre en route. Professeur, vous dormez encore? Professeur, est-ce que ça va? Réveillez-vous, professeur, professeur. Elle est seule. Jeanne, enfermée physiquement et mentalement, elle est persuadée d'être heureuse, mais ne l'est pas. Elle est ivre de solitude. Être seule est un soulagement. Elle est timide, à peine de confiance, ne parle pas. On lui a coupé l'envie de s'ouvrir aux personnes. On a abusé d'elle, de sa gentillesse et de sa confiance. On lui a fait subir des doutes et des viols. On l'a remplie de haine. Elle est pleine de méfiance. Ils l'ont acceptée comme elle est. Lui ont ouvert leurs bras. Ils l'ont accueillie. Elle s'est sentie proche d'eux. Ils lui ont fait comprendre à quel point elle est formidable. Ils ne l'ont pas abandonnée. Elle a alors ouvert les yeux. Je me sens mieux et je me suis ouverte au monde. Je suis fière de moi d'avoir repris la marche. J'ai grandi et j'essaye de profiter de chaque seconde. Je continue d'avancer, d'être entourée en évitant toute contre-marche. En mémoire de tous les professeurs à travers le monde. Dans une salle de classe, il y a 3 enfants et une armoire. Au mur, il y a une montre et des tableaux. Un garçon écrit, les autres étudient, le professeur enseigne. Un garçon regarde la montre derrière lui sur le mur. Il pense au déjeuner, il a faim. Un chat de prison avec un gardien de gouttière. Ah. Un livreur de dames avec un jeu de sushi. Oh. Un chien au feu avec un peu de prairie. Ah. Un explorateur des goûts avec un rat de la jungle. Un pilote de poche avec une lampe de ligne. Ah. Un pistolet à sable avec un bac à eau. Un oreiller voyageur avec un pigeon à plomb. Ah. Et un chat en pente et une toiture de gouttière. Un petit bonhomme volant
et une soucoupe verte. Oui. Un rat de crayon avec une mine d'égout. Oh. Un château épais donne une fourrée en thé. Quand le bourgeois tombe affamé, le paysan se lève repu. Un acteur peureux avec un politicien de génie. Des indigènes assoiffés de richesses avec des rois hospitaliers. Un couteau de chevet et une table de cuisine. Un téléphone de course et une voiture portable. Un pied surprise et une pochette de biche. Une pompe dessinée et un vélo bande. Un chat trop cuit et un pain assis. Un œuf fauché et un milliardaire poché. Une charlotte de rêve et une pineuse aux fraises. Un plongeur de joint avec un fumeur en apnée. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Je vous salue, Marie pleine de grâce. La lune plonge sa silhouette dans la douceur du soir. Seul le bruit de gaz de bombes de couleur rompt le silence. Les murs se façonnent de la silhouette d'une jeune enfant. L'odeur de gaz se propage peu à peu. Au loin, une sirène de police. Ni une ni deux lampes s'éclipsent, offrant aux étoiles son plus beau sourire sous le regard complice de la lune. Il a réussi son graphe en toute impunité. Le rythme de ma bouche, de nouvelles petites taches, les araignées sur ma peau, mousquet sain qui tombe avec la gravité, la fatigue de la journée qui arrive à chaque fois plus tôt, des cartes postales d'été, des photos de l'enfance et des mots, mes journaux de vie cachés dans un tiroir. Les pages du calendrier, les jours, les mois, les saisons passent à grande vitesse, comme un orage. Un tic-tac qui ne s'arrête jamais et qui me rappelle train plein de nostalgie et d'envie de voler, qu'il faut oublier les blessures. Sagesse, je ne te changerai rien pour rien au monde. Je ne sauve que le passé qui ouvre l'espoir vers l'avenir. Donc, sur mon chemin, je continue à rigoler, à regarder la vie en face, pour aller ailleurs, à la rencontre des autres, avec mes cicatrices qui racontent mon histoire. Empreinte réelle est inscrite. Des sillons cultivés dans cette terre qui n'est pas la mienne. Encore une fois, tourner la page de ma vie et continuer sans regarder en arrière, abandonner ce qui n'a qu'une valeur pour se laisser guider par les étoiles. Peu importe ce que j'ai vécu, je ne veux pas raconter la vie, à peine la vivre. Et comme l'a dit Étienne de la Poésie, si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage au moins, ce monde des fleurs.